Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Et ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans cette tribune. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Allez, on écoute l'hymne national de la Belgique. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Et Lukaku peut-être. Il a tout d'un grand attaquant, il est solide, il a de bons pieds, et qu'est-ce qu'il est bon dans la tête aussi. C'est un cauchemar pour les défenses adverses. Oui, je suis d'accord, c'est sans doute un grand talent offensif qui débloquera ce match. Et on rentre dans le vif du sujet. Le gardien dégage, loin. Oh, voici Lukaku. Et le ballon continue de lui coller au pied. Le ballon dans la profondeur. Un grand dégagement le plus loin possible. De Bruyne. Meunier. Oh, quelle frappe! Oh, c'est loin du cadre! Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Mario Fernandez. Golovin. Diouba à droite. C'est joué long, attention. Et le centre bien placé. Oh, le bon timing de la tête! Et c'est le but! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Oh, l'opportuniste! Et quelle efficacité! Ah, il est très malin sur ce coup-là, il profite des airs montés à la défense. Il est parfait. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Witzel. Qui est le premier sur ce ballon? La Belgique qui doit s'en vouloir d'avoir été cueillie à froid comme ça. C'est toujours plus compliqué quand on prend un but en début de match comme ça. C'est joué long. Ce ballon bien dosé, il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. La Belgique semble surtout concentrée sur l'aspect défensif en ce moment. C'est peut-être pas idiot. Lukaku dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Hazard. De Bruyne. C'est joué dans la profondeur. Tielemans. Il est servi. Oh, quel geste! Il est repoussé par la défense. Witzel qui cherche à construire. La Belgique serait bien... Lukaku! Et il rate.
pointe le cadre. Oh, il va s'en vouloir, c'était une grosse occasion. Golovin. La Russie qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, mais vous pouvez nous décrypter tout ça, Darren. Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essayent d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leurs coéquipiers. C'est bon ? Il reçoit le ballon. Passe interceptée. Meunier. Oh, le tacle. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il est lancé sur l'aile. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Hazard. Encore un quart d'heure avant la pause. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Mario Fernandez. Oh, voici Lukaku. Il cherche la profondeur. Il peut frapper. Et ça finit. Égalisation pour la Belgique. Je trouve que c'est surtout bien amené. Le dernier passe lui a permis de se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. Et ça repart du rond central. Égalité parfaite. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Bien joué à droite, il faut aller vite. Oh, bon centre, devant le but. Vertonghen qui cherche la profondeur. Bonne course, côté droit. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. L'interception au bon moment. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. De Bruyne. Hazard qui a un peu d'espace. Hazard. Deneyer. Witzel. Tielemans. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. De Bruyne. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. L'égalisation a vraiment relancé ce match. Il me semble qu'on signerait tous pour une seconde mi-temps aussi captivante que la première, n'est-ce pas ? Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. L'arbitre assistant n'a pas levé son De Bruyne. C'est repoussé. Ils s'en sortent. Avec Hazard. De Bruyne. Ça passera sur le côté. Ça revient dans l'axe. Hazard. Tielemans. Hazard. De Bruyne. Lukaku qui écarte le jeu dans la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Le long dégagement du gardien. Un long ballon vers l'avant.
De Bruyne qui est récompensé de son pressing. Tielemans. Oh, voici Lukaku. Ce sera le premier corner du match. Solo. Zirkov qui a déjà marqué aujourd'hui. Zirkov qui choisit de jouer en retrait. Et c'est bien défendu. Il allonge vers l'avant. Hazard qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. S'il y en a bien un à marquer de près, c'est lui. Il multiplie les passes comme d'autres les pas. Enfin, ça c'est une autre histoire. Diouba. Zirkov. La longue passe. La bonne interception. Tielemans. Il a de l'espace là. Alderweireld. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Zirkov. C'est une remise en jeu. C'était une bonne intervention. Tielemans. Changement. Et c'est par ce prenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Les voilà avec un petit but d'avance. Ils ne baissent jamais les bras, ça force l'admiration forcément. Ils étaient menés, les voilà maintenant devant. Il a trébuché sur cette intervention. Golovin. Mario Fernandez. Golovin qui est sanctionné pour cette faute. Hazard. Hazard. La passe dans la profondeur. Le soutien derrière. On peut y aller. Oh, ça aurait pu sceller le résultat. Le gardien fait du très bon boulot là. Un but les aurait mis dans une situation très délicate. Zirkov. Oh, il espérait ce ballon. Tielemans. Va-t-il en profiter? La grosse intervention. C'était l'occasion de se mettre à l'abri. Dommage. Une poignée de secondes seulement. La victoire leur tend les bras. Plus le temps de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Non, il est signalé hors jeu. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. De Neuer. Mertens.
C'est une passe en profondeur vers De Bruyne. Peut-être une occasion pour Hazard. Hazard. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Il joue en retrait. Il est marqué de près. C'est bien fait ça. C'est joué long. Zirkov. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Quel match, quel suspense et quel résultat à l'arrivée pour eux. Ils ont complètement renversé la situation dans cette rencontre. Incroyable ce retournement de situation. Vous avez une explication? Eh bien, quel comeback, quel retour et quelle surprise surtout. Merci.